Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble des prises Wi-Fi, des prises connectées, compatibles iOS, compatibles Android, compatibles Alexa d'Amazon, compatibles Google, compatibles en fait avec tous les systèmes. Dans ce pack, vous allez avoir deux prises connectées pour un coût d'une trentaine d'euros. Ces prises connectées. Sont de la marque Tekken. C'est une marque donc très prisée. C'est un tout nouveau produit qui vient de sortir. Je viens tout juste de le recevoir de Amazon. Donc ces prises connectées sont compatibles avec le Wi-Fi I2,4 GHz. Vous allez donc pouvoir connecter sur ces prises votre télé, par exemple, vos lampes, votre ordinateur, en fait tout ce qui se branche. Sur le côté droit, vous avez donc le code barre avec la compatibilité. Apple et Android. Sur le côté gauche, on voit que ces prises vont être contrôlables à la voix. On va pouvoir les gérer grâce à une application du nom de Smart Life, L-I-F-E. Smart Life, ça va être une application que vous allez devoir télécharger sur votre smartphone et vous allez pouvoir gérer un timing. Vous allez pouvoir allumer ou éteindre vos prises. On va tout de suite faire ensemble le boxing et voir comment on peut régler ces prises connectées en Wi-Fi et gérer les différents éléments branchés sur ces prises. Alors merci de vous abonner à la chaîne Vision Hightech si cela n'est pas encore fait et donc à tout de suite pour cette unboxing qui va être très rapide et on va voir ensemble comment régler, comment gérer ces prises connectées en Wi-Fi. On va donc passer tout de suite au déballage de ces prises et voir comment les paramétrer. Alors c'est un emballage classique, une boîte rectangulaire. Les deux prises à l'intérieur avec un petit livret, un petit manuel qui a été donc francisé pour paramétrer les prises. On va les enlever. Elles sont un peu dures à enlever. Voici nos deux prises qui, bien sûr, sont des prises compatibles pour la France. Voilà comment sont faites ces prises. On va tout de suite la brancher et voir comment la connecter. Pour cela, il faudra télécharger l'application Smart Life. L -I -F -E. Voilà, une fois que vous avez téléchargé l'application Smart Life, vous allez l'ouvrir et créer un compte avec votre adresse mail. Smart Life, créer un nouveau compte. Bouton connectez-vous en utilisant votre compte existant. Ou vous allez pouvoir vous connecter avec un compte existant. Créer un nouveau compte. Créer un nouveau compte. Pas d'accord. D'accord. Inscription par email. Auriel. Champ de texte. Alors, on va remplir l'adresse mail et on va continuer l'inscription. Une fois que vous avez entré votre adresse mail, vous allez vous diriger sur votre ordinateur. Vous avez reçu un code et vous rentrez ce code. 2. 2. Champ de texte sécurisé. Une fois que vous avez entré le code que vous avez reçu, vous avez un mot de passe à définir. Définir le mot de passe. Une fois que vous avez créé votre mot de passe, vous avancez. Bouton. Texte possible. Termine. Avertissement. Autoriser Smart Life à accéder à vos données de localisation lorsque vous utilisez l'app. peu fourni. Refuser. Autoriser. Bouton. Commencez votre vie intelligente. Voilà, donc on va enfin commencer notre vie intelligente. C'est parti. Créer une famille. Bouton. Ajouter une pièce. Dans quelles pièces sont les appareils Après cela, vous pouvez modifier les paramètres de la pièce à tout moment. Entrez le nom de maison. Barre, oblique, famille. Champ de texte. Nom de la maison. On va tout de suite entrer le nom de la maison. Champ de texte. Maison Christophe. Insertion de maison Christophe. Et maintenant, on va choisir la pièce dans laquelle se trouve cette prise. Définir l'emplacement. Emplacement de la famille. Salle à manger. Cuisine. Bureau. Et on va dire qu'on est dans le bureau. Bureau. Et en haut à droite, vous avez le bouton Terminer. Terminer. Famille créée avec succès. Et on va terminer tout de suite. Terminer. Bouton. Maison Christophe. Une fois que l'on a terminé, on va avoir un message au milieu de l'écran. Cliquez sur le plus dans le coin supérieur droit pour ajouter. Pour ajouter un appareil. Ajouter. Bouton. Ajouter. Annuler. Bouton. Sélectionnez le type d'appareil. Bouton. On va sélectionner le type d'appareil que l'on recherche. Ici, c'est une prise. Balayage. Bouton. Tous les appareils. En tête. Prise de rallonge. Prise. Prise. Bouton. Ici, il a découvert un appareil qui était branché. Entrez le mot de passe Ici, on nous demande de rentrer le mot de passe Wi-Fi de votre box. On va passe. tout de suite marquer le mot de passe. Une fois que vous avez tapé votre mot de passe, un pourcentage se fait entendre. 9%. Appareil trouvé. 12%. De Normalement, si votre appareil a été correctement configuré, vous devriez recevoir ce message. Ajout de l'appareil réussi. Ajout de l'appareil réussi. Smart socket. Bouton. Et maintenant vous pouvez terminer la configuration. Maison Christophe. Voilà donc en fait avec Amazon Alexa. Amazon Alexa. Si vous voulez gérer vos prises, il faut donc aller dans le menu tout en haut à gauche, aller dans Skills et Jeux. Et télécharger la skill Smart Life. Une fois téléchargé, vous allez donc entrer vos identifiants, adresse mail, puis votre mot de passe, et vous aurez cette fenêtre une fois que vous aurez tout rentré. Amazon Alexa, Smart Life a été correctement associé. Opération suivante fermez cette fenêtre pour détecter les appareils connectés que vous pouvez contrôler avec Alexa. Maintenant, avec Alexa, on peut détecter. Nos prises. On va fermer la fenêtre et on va détecter nos prises. Fermez cette fenêtre pour détecter les appareils connectés. Détecter des appareils. Les appareils connectés doivent être préalablement détectés avant de pouvoir être utilisés avec Alexa. Détection des appareils par Alexa en cours. Point de suspension. Ceci peut prendre plus de 20 secondes. Ensuite, nous configurerons les appareils en un pour assurer une bonne configuration. 10 appareils et 7 scènes découvertes. On vient d'entendre 10 appareils et 7 scènes découvertes. Donc, ce qu'on va faire, on va déjà paramétrer nos prises. Sélectionnez l'appareil. Quel appareil souhaitez-vous configurer Donc, ici. Appareil connecté. Prise 1 désélectionné. Prise 2 désélectionné. Prise 1 sélectionné. Configurez l'appareil. Configuration. Ajoutez votre prise à un groupe. Pour bien organiser vos appareils, placez votre prise dans un groupe. Ignorez. Choisir un groupe. Bouton. Ignorez. Bouton. L'appareil prise 1 est configuré et prêt à être utilisé. Pour le contrôler, dites Alexa, allume prise 1. Continuez. Bouton. Et maintenant, on va configurer la prise 2. Prise 2 désélectionnée. Prise 2 sélectionnée. Avec Alexa, on est donc prêt pour tester nos prises. On va tout de suite le faire. Alexa, éteins prise 1. D'accord. Alexa, allume prise 1. D'accord. Voilà. Donc, comme vous voyez, ça fonctionne au niveau des prises. Alexa. Allume prise 2. D'accord. Alimentation connectée. Voilà. Donc, pour Alexa, c'est terminé. On va passer à la configuration du Google Home. Voilà. Et pour communiquer avec ces prises, votre Google Home va être lui aussi accessible. Il faut vous rendre donc sur Google Home, l'application Google Home. Une fois sur cette application, vous allez tout en bas sur le bouton Contre. Une fois dans compte, vous allez sur plus de paramètres. Plus de paramètres. Une fois que vous êtes rentré dans l'onglet assistant, vous allez sur le bouton contrôle de la maison. Contrôle de la maison. Lorsque vous êtes rentré sur contrôle de la maison, vous allez tout en bas de la page et vous allez sur le bouton ajouter des appareils. Ajouter des appareils. Ici, vous avez toute une liste énorme de matériel. Vous recherchez l'application Smart Life. Vous allez donc sur l'application Smart Life, vous ouvrez, Une fois que vous avez ouvert Smart Life, il vous demande votre adresse mail et votre mot de passe. Une fois que vous avez entré donc l'adresse mail et le mot de passe, vous tombez sur cette page. Prise prise. Prise 2, prise. Donc c'est les deux prises qui doivent être connectées dans Google Home. Une fois que vous avez choisi une des prises, vous allez sur le bouton en bas à droite sur Suivant et vous paramétrez votre prise comme si vous paramétrez tout autre appareil dans Google Home. Choisissez un emplacement pour prise. Mes pièces, chambre, bouton. Sélectionnez chambre, suivant, bouton, suivant. Une fois que c'est terminé, en activant le Google Home, le micro est de nouveau opérationnel. Allume prise 1. OK, j'allume prise 1. Éteins prise 1. Compris, j'arrête prise 1. Allume prise 2. Ok, j'allume alimentation prise 2. connectée. Éteins prise 2. Compris, j'arrête prise 2. Et voilà donc comment paramétrer vos deux prises avec Alexa et Google Assistant. C'est très simple, vous avez un petit bouton ici pour réinitialiser les prises. C'est vraiment de très bonnes prises. Je vous mettrai d'ailleurs dans la description les liens où vous pouvez les trouver. En attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à la partager, à liker, à vous abonner à la chaîne Vision High Tech si cela n'est pas déjà fait. Très bientôt sortira la vidéo sur les ampoules Philips Hue, sur la montre Galaxy Gear S3 Frontière. Donc abonnez-vous pour suivre ces vidéos. A très bientôt pour la prochaine. Salut à tous. <music>